Et en fait, comment les gens d'ici vous voient-ils? Écoutez, je ne sais pas du tout, parce que... parce qu'on est toujours étranger dans une île. On est toujours étranger partout où on n'est pas né. Et je crois que dans une île, encore plus particulièrement. Mais... il y a quand même, si vous voulez, quel sera l'avenir de l'île, je ne sais pas. Deviendra-t-elle une île à touristes? Sera-t-elle une communauté de pêcheurs? Je l'ignore. Ce serait dommage qu'elle devienne comme une île à touristes. Parce que je pense que la mentalité des gens risquerait de changer. Au fond, la grande différence qu'il y a entre ici et puis des villes, dans lesquelles nous vivons, c'est arrivé il y a 5-6 ans, il y a eu un grand coup de tempête ici sur l'île en hiver. Il y a un vieux pêcheur qui est décédé il y a très peu de temps, qui se prénommait Basile, m'a téléphoné, ce qui lui coûtait beaucoup parce qu'il avait horreur du téléphoner, enfin c'est une démarche très compliquée pour lui. Il m'a téléphoné pour me dire ta maison va bien, ton toit est toujours là. Bon, je l'avais remercié. Et puis, il m'avait demandé, quand viendras-tu? Alors, je lui avais répondu, je ne sais pas, d'ici 10, 15 jours, 3 semaines. Et il avait conclu en me disant, viens vite parce que tu nous manques bien. Jusqu'à l'époque, ça m'avait beaucoup touché parce que, au fond, je me demandais à Paris à qui je manquais bien. Enfin, et si vraiment à Paris, j'aurais pu manquer à quelqu'un, je n'en savais rien. Je crois en avoir eu la réponse il y a à peu près un an, au cours d'un déménagement. Des travaux ayant tardé, ma ligne téléphonique avait été déplacée de l'appartement où j'étais dans celui où je devais aller vivre. Et donc il sonnait là où je ne vivais pas encore. Il y avait deux peintres qui travaillaient là-dedans, et chaque fois que le téléphone sonnait, ils répondaient. Tout ce qu'ils savaient des locataires de cet appartement, c'est que le précédent était mort. Donc lorsqu'on demandait Jean Nolly, il répondait, il est mort. Il y a eu comme ça une trentaine d'appels, je présume, de copains, pseudo-copains, d'amis, j'en sais rien. Donc une trentaine d'appels, une trentaine de personnes qui ont appris comme ça, soudainement, ma mort. Une seule a téléphoné chez moi pour les condoléances, pour 29 autres. Le 29 autres, j'étais crevé, bon bah, c'est fini, quoi. C'était comme ça. Alors, je dis pas que je suis très sensible à ce que l'on vienne derrière mon cercueil, mais je crois que ça prouve bien la différence qu'il y a entre ici et les villes dans lesquelles nous vivons. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de décès et la mort de quelqu'un ici est ressentie d'une manière très profonde. Non pas la mort en tant que mort, parce que nous mourrons tous, mais c'est l'absence. Et je crois qu'à Paris, nous avons perdu le sens de l'absence des gens que l'on aimait bien. Fisulua sabreno Astenet mar plis gagnò Finis ad in madeu Asenet mar plis gagnò Finis ad in ma bue Vin ma in darbe da vale ma harante Quar ve ares ganen E verganer machador E ne servatimam Da navigi var armor Pas eschu e veager ue de posar joa Ma duscio da gernere in coperissa.